Bonjour et bienvenue à un autre tutoriel. Voici votre dernier tutoriel de Noël pour le 24 décembre. J'espère que vous avez apprécié la série de tutoriels que je vous ai offert sur ma chaîne YouTube. Donc, on commence par faire la préparation de notre ongle. Voilà, il est fait. Je vais commencer par appliquer une couche de blanc American White de la marque Polydip Cristrio. Je vais mettre une deuxième couche. Bon, un intrus. Et voilà, la deuxième couche est appliquée et on va sceller notre travail avec une couche de poudre claire. Et on va catalyser et attendre que le produit soit sec. La prochaine étape sera de limer. Quand c'est sec, on commence le limage. Et voilà, c'est à mon goût. Je vais prendre un tampon avec de l'alcool et je vais nettoyer la surface de mon ongle. Avant de continuer, je vais tout de suite appliquer ma couche de glossy de finition parce que la déco sera par-dessus notre finition. Donc, je vais appliquer ma couche de glossy à la surface complète de mon ongle. Je m'assure de l'appliquer le plus uniformément possible. C'est beau dans la lampe pour une minute. Lorsque c'est prêt, avec mon gel paint, mon gel liner numéro 4 qui est le rouge, je vais venir me mettre une petite goutte sur ici ma palette pour pouvoir l'utiliser afin de dessiner vraiment ce que je veux. Je vais enlever le surplus de mon pinceau. Et je vais venir me descendre un trait ici. Et un autre ici. Et avec mon petit pinceau, oups,
l'embout numéro 7. Je vais venir dessiner l'effet d'une boucle. Donc, le dessin est complété. Avant de l'envoyer dans la lampe, je vais utiliser ma poudre numéro 121 de Cristrio Polydip, qui est le magnifique rouge soulier de Dorothée, que je vais saupoudrer sur mon ongle. Et je vais envoyer catalyser une minute dans la lampe. LED, pardon. Si vous avez une lampe UV, vous devez absolument mettre 2 minutes. Donc, le numéro 121. J'ai utilisé mon pinceau rose, l'embout numéro 7 mm. J'ai utilisé la finition glossy. Et mon gel liner, ça se vend en kit de 12 couleurs. La couleur numéro 4, qui est le rouge. Et la couleur de base était le American White, également de la collection Polydip. Je vais vous montrer le résultat dans quelques instants. Et voilà, c'est cuit. Donc, on sort de la lampe, on époussette et il nous reste notre boucle qui est magnifique. Vraiment un beau cadeau pour Noël. Un ongle tout emballé. Voilà, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Gardez la santé et que 2022 vous apporte tout ce que vous désirez et que la santé soit au cœur de votre vie. Je vous aime et je vous remercie. Joyeux Noël et bonne année.